Née d'une mère magnifique qui posait pour Picasso et d'un père photogénique comme Rudolf Valentino. Au-dessus de son berceau, on vit défiler des fées. Il avait tout vraiment tout pour être un très beau bébé. Simon Léon, à part quelques détails, était très beau garçon. Deux têtes, six bras, un œil et quatre jambes, mais c'est pas important. On vous dira qu'à l'école, il fit toujours le premier. Quand on lui posait des colles, chaque fois il répondait. C'est vrai qu'il avait deux têtes, une pour oui, l'autre pour non. Comme elle remuait en même temps, il avait toujours raison. Simon Léon, à part quelques détails, était très beau garçon. Deux têtes, six bras, un œil et quatre jambes, mais c'est pas important. Il fut un très grand pianiste, bien plus adroit que Chopin. Tout seul il tournait les pages, tout en jouant à cinq mains. Au régiment c'est pareil, il devint tireur d'élite. Comme il n'avait qu'un seul œil, c'est lui qui visait le plus vite. Simon Léon, à part quelques détails, était très beau garçon. Deux têtes, six bras, un œil et quatre jambes, mais c'est pas important. Il gagna au jeu d'Andaille le 410 mètres et remporta deux médailles, c'est beaucoup pour un Français. Comme il avait quatre jambes et que rien n'interdit ça, il fit premier et deuxième, on n'avait jamais vu ça. Simon Léon, à part quelques détails, était très beau garçon. Deux têtes, six bras, un œil et quatre jambes, mais c'est pas important. Pardon ? Plus vieux que Mathusalem, un jour il quitta la vie. Et c'est sans aucun problème qu'il monta au paradis. Quand Saint-Pierre ouvrit la porte, la première chose qu'il vit, c'est que le bon Dieu et les anges étaient tous faits comme lui. Et attention les anges, Simon Léon, à part quelques détails, étaient très beaux garçons. Allez, flippe Gabriel. Deux têtes, six bras, un œil et quatre jambes, mais c'est pas important. Pour moi, mais c'est pas important.